Moi, à l'âge de 10 ans, un fils de Ramsès III, dans la vallée des Reines, on voit ici le pharaon qui présente son fils aux divinités. Et le pharaon, suivi par son fils, devant les dieux Thoth, les Bis, une petite chambre latérale. On voit ici le prince marqué avec la tresse des cheveux à côté de sa tête. Ici, la déesse Isis et sa sœur Nephthys. Le prince devant les dieux Doua-Mout-Ef, un gardien de vase de Visser. Ici, devant les dieux Hémisti, aussi un gardien de vase de Visser. Ici, c'est plusieurs divinités. Et Osiris, et la déesse Isis devant Osiris, et devant le Saman droite devant Osiris. Nephthys, excuse-moi, c'est Nephthys à gauche, et Isis à droite. Alors, les deux sont devant Osiris. Osiris représenté deux fois ici. Les divinités de l'autre monde. De nouveau, on a ici Isis et sa sœur Nephthys. Regardez la finesse du travail, la transparence des vêtements de Pharaon. On voit ici les jambes de Pharaon sur les vêtements. Et on voit aussi les bras de prince sous les manches. Et le travail ici, vraiment, les artisans étaient doués ou excellents. Et le fils, il tient dans sa main droite un éventail qui explique son métier. Donc, lui, il dressait l'air à côté de son père. C'est le prince qui faisait ses métiers. Donc, il dressait l'air au pharaon. Pourquoi le pharaon a choisi ses fils pour faire ce travail? C'était un métier de confiance. Et aussi, une sorte de formation. Ils étaient au courant de tout ce qui est passé. Non, c'est un de ses enfants sera le futur pharaon et ses frères seront dans le grand poste de l'État avec lui. On voit ici le pharaon devant les dieux Ra-Horakhti. Le prince ici, il tient un éventail différent, le pharaon. Et ici, dans ces corridors, on a du gardien dans les demeures d'Osiris dans l'autre monde. Les anciens Égyptiens imaginaient que chaque personne morte, pour arriver au paradis d'Osiris, elle doit passer par 21 entrées dans la demeure d'Osiris. Mais devant chaque entrée, il y a un gardien qui tient un couteau dans chaque main, qui lui demande le nom de l'entrée. S'il ne répond pas, il ne passe pas. Et on imagine qu'est-ce qu'elle fait le gardien avec les couteaux qui sont dans ses mains. Et dans les tombes, on n'a pas assez de place pour faire de 21 entrées, mais dans chaque tombe, on a 4 ou 5 entrées. Ici, c'est le pharaon, suivi par son fils. Et quand le prince se représentait avec cette tresse, ça veut dire qu'elle n'était pas adulte. Mais quand elle est représentée avec les cheveux normaux, donc ça veut dire qu'elle désirait être adulte dans l'autre monde. La tombe ici est plus grande et plus belle que la tombe de Amonkhotep, le djed, la colonne vertébrale d'Osiris, ici, qui est un symbole de stabilité, et un des 14 morceaux du corps d'Osiris déchiré par son frère Seth, les dieux du mal. Ici, c'est le chacal et le lion qui protègent l'entrée de la chambre. Le pharaon devant les dieux Thoth, devant les dieux Horus. Ici, c'est l'Isis et la déesse Nit, une des quatre déesses gardiennes, Isis, Nephthys, Nit et Selket. Ici, c'est Osiris représenté deux fois. Ici, c'est le. Donc, on a deux déesses gardiennes, protectrices dans ces côtés et deux dans l'autre côté. Ici, on a Nephthys et Selket. Et Selket, c'est une déesse scorpion. Son symbole sur sa tête, un scorpion sur sa tête.
On voit bien la finesse du travail, la transparence du vêtement de Pharaon, comment ils ont fait la ceinture, les bras, la couronne, les cobras sur la tête. Un des gardiens d'une des entrées dans les demeures d'Osiris, dans l'autre monde, qui a une tête, mais sans les traits des visages. Une tête que toute noire, on appelle, son nom est le caché. Le caché, parce qu'il n'a pas un visage, il n'a pas de traits des visages, tout est noir ici. Donc c'est le gardien, ils ont parfois des têtes bizarres. La tête d'un animal bizarre, un oiseau bizarre. Ici, c'est quand même une tête comme la tête du chacal, mais les oreilles, c'est les oreilles d'un âne. Et vraiment, c'est une de belles tombes dans la vallée des Rennes. Une deuxième chambre latérale à gauche ici. La même scène que se répète dans la chambre qui est en face, mais les divinités qui s'échangent ici. Le prince devant des divinités différentes. Et un dieu avec une tête de singe. C'est Habi, un des gardiens de vase des viscères aussi. Excusez-moi. Merci.